So guys, we're gonna shoot one. Since the first movie, Jurassic World, came out, and you know, just so blessed, it was such a big hit. The best part has been able to ask for really weird things in my contract, so every set, I have to have a wooden horse that I can play with in between takes. Really keeps my mind off things, keeps me in character. Hey, thank you, everybody. Oh, here we go. Okay, let's get Chris on this horse. Je vous conseille fortement la filmographie de Juan Antonio Bayona. Ouais, blablabla, bonsoir, bienvenue, 6ème partie Jurassic Park, bref. Je vous conseille fortement la filmographie de Juan Antonio Bayona. En plus, vous avez aucune excuse, il y a juste 4 films. El Orfanato ou L'Orphelinat. Putain de VF. Sorti en 2007, est un film d'horreur travaillant la tension à travers le thème de l'enfance, central au récit. Ce quasi huis clos prend place dans un manoir, lieu idéal pour traiter des peurs infantiles. Et comme tous les longs métrages de Juan Antonio Bayona, on y retrouve Géraldine Chaplin, fille du célèbre Charlie Chaplin. Lo Impossible ou The Impossible, putain de VA, est un film catastrophe sorti en 2012, mettant en scène un cataclysme dans un environnement tropical. Donc inévitablement, ce dernier comporte des scènes de plongée. Le récit nous est narré à travers le regard d'une famille. Les parents forment un couple dysfonctionnel mais complice, et la relation parent-enfant est un élément central à la narration. Et comme tous les longs métrages de Juan Antonio Bayona, on y retrouve Géraldine Chaplin. A Monster Calls ou Quelques Minutes Après Minuit, putain de VF, est un film fantastique de 2016, produit par Universal, traitant de la peur de l'enfance, plus précisément, la peur de perdre un parent. On y retrouve un monstre en CG, un couple séparé, et comme tous les longs métrages de Juan Antonio Bayona, y a Géraldine Chaplin. Et tout ça, ça tombe plutôt bien, car le film qui nous intéresse aujourd'hui est d'une production universelle comportant un cataclysme dans un environnement tropical, un couple dysfonctionnel mais complice, une scène de plongée, des bestioles en CG, une partie huis clos dans un manoir, des séquences horrifiques, une enfance centrale au récit, un travail de la tension à travers les peurs infantiles, la perte d'un parent, la réunion d'une famille, et comme tous les putains de longs métrages de Juan Antonio Bayona, on y retrouve Géraldine Chaplin. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Comment ils ont fait ces cons. Aujourd'hui, c'est Jurassic World Fallen Kingdom. Jurassic World Fallen Kingdom ou Monde Jurassique, le royaume déchu. De Québec est un film américain réalisé par Juan Antonio Bayona. Ah mais c'était pour ça l'intro d'une heure et demie. Produit par Patrick Crowley, Frank Marshall, Steven Spielberg et Colin Trevorrow à travers les sociétés Amblin Entertainment et Legendary Pictures, distribué par Universal, budgété à 170 millions de dollars et sorti le 6 juin 2018. Bref, dès l'arrivée de Trevorrow sur Jurassic World, la décision fut prise de partir sur une trilogie, à condition que le premier film fonctionne. Bien évidemment, vu les résultats de ce dernier, Universal annonce en 2005 que Jurassic World 2 est en préparation et qu'il devrait sortir en juin 2018. Cependant, notre cher Colin est un poil occupé à cette époque, dispatché entre la réalisation de The Book of Henry et celle de Star Wars 9. Et ça aussi, faudra qu'on en parle un de ces jours. Bref, face à cet emploi du temps chargé, Trevorrow délaissera la réalisation, mais occupera les postes de producteur délégué et co-scénariste avec Derek Connolly. La production se tournera alors vers celui qui leur avait mis un énorme tose la dernière fois, notre cher Juan Antonio Bayona. D'ailleurs, pour ceux qui râlaient sur le peu d'animatronique présent dans le dernier film, tenez si ça peut vous rassurer. I think it's only 6 minutes of CGI in the first Jurassic Park, something like that. Because at that time they couldn't do more. They had to use a lot of animatronics. And I think that when you do one of those scenes, I think the secret is to combine techniques. And that's what worked so well from the very first Jurassic Park, that you're using all the time animatronics or guys in suits, and combined with the CGI, it's very effective. Côté script, la première version, signée Trevorrow Connelly, reprend, comme on l'avait vu dans Il fut une fois, énormément d'éléments du scénario de Jurassic Park 4 par John Sayles. Genre, pour rappel, notre héros doit se rendre sur Isla Nublar pour récupérer une propriété du parc. L'île est sous le contrôle d'une milice, l'objet du voyage est retrouvé, la suite du récit se déroulera dans un manoir, les hybrides sont instables psychologiquement parlant mais savent utiliser des armes à feu, et sinon c'est quasiment la même structure narrative que dans Jurassic World Fallen Kingdom. Et chose que j'avais totalement oublié la dernière fois, l'expérimentation sur un être humain, avec ici Maisie. Au moment où Bayona rejoint l'équipe, ce dernier revoit quelques passages, comme la scène sous l'eau, l'opération de Blue, le T-Rex dans le bateau, et accentue par la même la tension et le côté horrifique du script. En fait, si t'écoutes Bayona, Fallen Kingdom doit être à Jurassic World ce qu'est l'Empire Contre-Attaque à Star Wars ou la colère de Khan à Star Trek. La pré-production du film commence en juillet 2016 sous le nom d'Ancient Futures. Côté casting, on rappelle Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ainsi que Billy Wong, et on dit bienvenue à Rafe Spall, Daniela Pineda, James Cromwell, Justice Smith et ses hurlements.
mais aussi Ted Levine, Toby Jones, bien évidemment Geraldine Chaplin. Ah bah tiens, c'est étonnant ça. Et le film marque le retour de Jeff Goldblum au sein de la saga. Tant qu'on est sur les abonnés, côté technique, on retrouve Oscar Faura, directeur de la photographie attitré de Bayona. Bref, le tournage s'étalera entre le 14 février et le 8 juillet 2017 et sera réparti entre deux lieux. Les studios Pinewood en Angleterre pour sa quasi-totalité et l'archipel d'Hawaï pour les séquences en extérieur sur Nublar. Contrairement à son prédécesseur, le film sera tourné en numérique à l'aide des caméras Alexa 65 d'Arri et adoptera un ratio de 2:40. Et avant de rentrer dans le gros du sujet, je vous conseille fortement le visionnage des bonus du Blu-ray. A défaut de vous conseiller cette édition toute pourrie, matez-moi cette merde! Outre les habituels making-of, ces derniers contiennent une petite dizaine de modules où le bon Chris Pratt et sa sympathie légendaire donnent la parole aux artisans de l'ombre, quel que soit le corps de métier. Comme par exemple maquilleuse, coiffeuse, assistant son, ces mecs qui filment en bagnole à l'aide d'une grue nommée Edge Arm. It's multiple gyros that are stabilizing the camera and the head itself while we're going. Run! We can go uphill, downhill, off-road, on-road. Yeah. Chasing Chris around everywhere. This crane goes 26 feet long and we can go over 100 miles an hour, no problem. That sounds like it's a lot of fun. Yeah. Mais aussi des plongeurs, une partie du casting, une assistante de décoration, une assistante script, il y a même une interview de Bayona que je me permets de vous mettre dans son intégralité. Chris Pratt here, I'm here with J.A. Bayona, our film director. What? I'm here with J.A. Bayona, our film's director. Hey, I'm J.A. Bayona, I'm directing this movie. Jurassic World, Fallen Kingdom. Louder! Sorry! The wind, it's because the wind has to be louder! It's the wind! Et pour finir, cascadeur, doublure cascade, et il y a même un module hyper sérieux où Pratt se prête à l'exercice. For somebody who doesn't really know what an actor does, how would you describe what your job is and what are the most important elements of your job? It really depends. Today, it is important for me to walk down a stream and turn my head a certain direction and squint my eyes. J'ai peut-être menti sur le côté sérieux. Bref, la production. Par contre, cette fois, si ça vous dérange pas, on va parler du tournage dans l'ordre des scènes du film. Parce que je fais ce que je veux ici! Concernant la jungle de Nublar, retour à Kauai. Et quand je dis retour à Kauai, c'est genre exactement aux mêmes endroits, que ce soit pour Jurassic Park 1 ou Jurassic World. Des lieux bien connus de la saga et de l'équipe, et quelque part ça tombe bien parce que certaines scènes vont nécessiter la présence de feu. Dans la jungle, du feu. Ah, le cinéma. So we're gonna do full fire. Here, fire bars. And then we're gonna have some nitrocellulose slowly burning towards the camera. It's gonna look like lava going towards camera. Je vous laisse 2 secondes pour imaginer la gueule de l'équipe anti-incendie quand on tourne ce genre de scène, et on reprend. Contrairement à la dernière fois, la gyrosphère ne sera pas fixée sur un rail. Du moins, dans un premier temps. Et sera montée sur 4 roues, avec un conducteur à l'avant gauche du véhicule et un caméraman à l'arrière gauche. Donc ça, c'est pour la partie où elle roule, mais pour la séquence de chute, direction Pinewood. On ressort les rails et go construire un mini roller coaster avec une de ses pentes, les copains. To take Bryce and Justice and put them in 35 feet in the air, and then have them go and beep. Drop down. It's the only way that you're gonna get that performance on their faces. Et pour finir avec cette scène, la séquence sous l'eau est entièrement réalisée avec des effets pratiques dans une énorme cuve de 9 mètres de profondeur. Avec certes une coupe dans le plan séquence à ce moment-là, là juste ici, mais en soi, la performance est réelle. On notera concernant Chris Pratt une forte volonté de réaliser lui-même ses cascades, notamment durant la scène des enchères. Globalement, il y a aussi une utilisation accrue des effets pratiques et des animatroniques, comme on le verra plus tard. Et vous inquiétez pas, il y en a plus d'un cette fois. What a good girl. Oh, she's a good girl. Yeah, she's a good girl. Quant au manoir, il servira de défouloir à notre bon Bayona concernant le travail de la tension, l'horreur et sa réalisation ultra référencée. Ouais, en gros, le bonhomme est clairement en terrain connu tout du long. When I was a kid, one scene that provoked nightmares for months was Frank Langella playing Dracula in John Badham's version. And I remember Frank Langella crawling down and sneaking in through the window upside down. From the moment I read that on the script, the interrupter is sneaking in through Macy's window. I thought it was the same idea and I wanted to bring back that fear that I had. L'environnement de la chambre de Maisie lui permettra également d'approfondir le thème de l'enfance à travers cette bataille Indoraptor Blue que le réalisateur interprète comme un combat de jouets grandeur nature. Quant à Maisie, elle est interprétée par la jeune Isabella Sermon, dont c'est le premier film. C'est-à-dire que dans le monde, il y a une actrice qui, sur son CV, a 2 lignes et c'est Fallen Kingdom et Dominion. She does all her own stunts. Hello. It's quite fun. Et avant de passer au dino, on est obligé de mentionner le grand retour de Ian Malcolm dans la saga. Grand retour, c'est peut-être le grand retour niveau chèque pour Jeff Goldblum, mais niveau présence, on peut clairement aller se faire en I like this character. And so,
I'm enjoying myself no end, you know, it's a precious little privilege. Un tournage éclair pour notre cher Jeff qui sera plaqué en une toute petite journée. Et comme niveau fanservice, sa présence c'était vraiment pas assez, Trevorrow a poussé le truc d'un cran. A lot of the dialogue that he has in the Senate hearing is from Michael Crichton, it's from the book Jurassic Park. And it's amazing how many ideas that apply to this movie are in the original book. Eh ben, on peut passer au dino, les copains. Les animatroniques seront cette fois gérés par Neil Scanlan et concerneront Blue, que ce soit pendant son opération ou Baby Blue, notre éternelle Roberta, ce stégosaure et le petit dernier de la licence, l'Indoraptor. Concernant Blue, ses mouvements sont calqués sur le comportement d'un chien et l'animatronique était contrôlée par une douzaine de marionnettistes. We are beneath the table on which rests Blue, and each of these levers controls a different portion of her, from each of her fingers to our articulating her wrists, shoulders, elbows, her jaws, her eyes. There's a whole team of dudes down here. Hey guys. And 3, 2, 1, and that's it, go. Notre chère Roberta, quant à elle, sera limitée à des mouvements de tête et des respirations. Le milieu de son cou comportera une partie molle conçue comme une selle et sa tête dissimulera des poignées afin que Bryce Dallas Howard puisse s'accrocher à la bestiole. There's about 8 puppeteers. There's a person at the back that does the lifting of the entire body. There's a person, or 2, which operate the main neck. The head is controlled through a radio control system. There's another puppeteer who's looking after the eyes, the eye blinks. Another one that's looking after the breathing and the nostrils, and then one other person who's looking after the jaw. Et concernant le dernier animatronique, on se le garde pour après, car il est ultra représentatif d'un truc qu'on va aborder avec la partie sur la CG. Comme d'habitude, les effets spéciaux numériques sont gérés par la société qu'on ne présente plus dans cette émission, ILM. Et quelque part, c'est tant mieux, car le film est l'opus comportant le plus de dinos dans toute la saga, dont pas mal de nouveaux. Bienvenue donc aux Allosaures, Baryonyx, Carnotaur, Sinoceratops et autres Stygimoloch. Bayona va, tout au long du métrage, alterner entre animatronique et images de synthèse, dans une logique de reproduire la recette des effets spéciaux du premier Jurassic Park. The secret behind the work that we did in Fallen Kingdom was to merge both technologies, to cheat the eye of the audience so there is a moment that they don't know if what they're watching is real or not. Côté ILM, le poste de superviseur des effets spéciaux est réparti entre David Vickery, ayant bossé sur la saga Harry Potter ainsi que sur le Dark Knight, et Alex Woodke, habitué de la saga James Bond et du MCU. Qui dit mélanger animatronique et CG dit modèle 3D ultra détaillé et animation la plus réaliste possible. On peut d'un côté remercier la simulation des muscles et la qualité du rendu, mais côté animation, c'est l'utilisation de références qui contribuera grandement à la tâche. Le comportement de Baby Blue est ainsi basé sur celui de bébés autruches et de chiots. L'animation se réfère quant à elle au mouvement de l'animatronique dans le cas de Baby Blue, ou alors vient améliorer certains éléments de la marionnette dans le cas de l'opération sur le bateau. We might, for example, just replace the tail in one shot, or in another shot, we would just replace one of Blue's claws. C'est peut-être ce mélange qui a pu en déranger certains, donnant un aspect hybride aux dinosaures, à mi-chemin entre le rendu CG et l'interaction des animatroniques. Et l'élément le plus représentatif de cette démarche n'est autre que l'Indoraptor, nouvel hybride de la franchise. Niveau design, le bougre se base sur Nosferatu, concernant ses dents, ses bras et la taille de ses griffes. I had found reference footage of a crocodile bellowing and they'll vibrate their throats. And it was such a cool move and gives such a sense of presence to the animal. Son animation sera fortement marquée par le fait qu'il soit un prototype dysfonctionnel et se traduira par des tics faciaux, des mouvements malaisants de la tête et des tremblements étranges des épaules, tout ça dans un but de retranscrire un sentiment de gêne. Comme vous pouvez vous en douter, la version CG de l'Indoraptor est utilisée lors du final sur le toit ou encore lors du combat l'opposant à Blue dans la chambre de Maisie. They just trashed this bedroom, so they filmed a room clean as it was and the room completely destroyed. And then our job primarily was about doing all the interaction between the dinosaurs and replacing it with the CG assets. Concernant son animatronique, l'hybride ne sera pas réalisé dans son entièreté. En effet, pour plus de maniabilité, la décision fut prise de seulement fabriquer les bras, une jambe et la tête. Autrement dit, les parties qui auront des interactions avec les acteurs. The Indoraptor is puppeteered by 4 or 5 puppeteers. We have a guy on the jaw and a guy on the nostrils and lots of different parts of the eye. We've got a beautiful movement around the outside of the eye, and we've also got a fully rotational eye here as well, a bit like a crocodile. Go. Down. What I'm operating is the jaw mechanism here. So as I swing this lever forwards,
we get the sort of full range of motion and then back to close. Et afin de faciliter le travail des acteurs et des animateurs, on retrouve sur le plateau un marionnettiste doté de ce bidule, bordel de merde, j'en veux un, et dans le comédien pour la direction de son regard et apportant à ILM une référence. Et avant de passer à autre chose, ce brachiosaure est donc celui-là est bel et bien le même individu que celui-ci. Et je dis ça parce que déjà Bayona l'a confirmé, mais surtout parce qu'ILM est allé récupérer son animation originelle de Jurassic Park pour la coller dans Fallen Kingdom. Bon bah voilà, côté visuel plaqué. Côté musique, on retrouve pour la deuxième fois Michael Giacchino. Pour être honnête avec vous, pas grand chose à dire de ce côté-là. On notera le grand retour des chœurs dans la bande-son de la saga et énormément de réorchestration de thèmes composés par John Williams pour les précédents volets. Et bah voilà, le film il est fini les copains. Jurassic World Fallen Kingdom sort le 6 juin 2018 chez nous et le 22 juin dans le reste du monde. Et comment dire ? Alors niveau box-office, tout va bien. Le film rapporte 1 310 millions pour, je rappelle, 170 investis. Par contre, au niveau critique, ça passe pas du tout. Côté presse, on est sur du 47% et côté public, on est sur du 48%. Mais moi je l'aime bien Fallen Kingdom. Alors oui, il a un scénario discutable à bien des égards, y a pas de souci, j'ai fait une vidéo entière consacrée à la connerie du script sur lequel il est basé. Mais côté réalisation, divertissement, rythme ou ce sur quoi il se conclut, bah perso, j'ai passé le bon moment moi devant Fallen Kingdom. Concernant les prix, le film sera nominé dans 13 catégories toutes cérémonies confondues et s'en sortira avec 3 récompenses dont 2 pour Chris Pratt et 1 pour Bryce Dallas Howard. Bref, malgré cet accueil critique plus que mitigé, Universal ne tardera pas avant de lancer la production de la grande conclusion de sa saga. Mais ça, on se le garde pour une prochaine fois les copains. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Oublie pas ton pouce rouge et abonne-toi à la chaîne. C'était comment ils ont fait ces cons pour faire Jurassic World Fallen Kingdom. À la prochaine. We all worked our asses off. So I make this toast. But now we're at the end. Say a prayer for post.